je reviens de la boue pour vous faire une petite vidéo haul et try on. Je vais vous montrer peut-être pas tout parce que j'ai déjà fait les plans try on juste avant, mais je verrai au montage si je vous les mettrai parce que franchement je pense que, attendez, non je crois que j'ai oublié la moitié des choses. Je pense que si c'est trop laid au montage, je pense que je ne mettrai pas, je vous mettrai juste la petite photo de l'ensemble, on verra sur le moment. Donc j'ai fait en fait la marque Ewing, attends, comment on dit ça? Tissel, comment on dit? Comment on dit Ewing? Comment on dit la marque là, Ewing? T'es sûr? Ça s'écrit Yuens, Yuens. Yuens. Moi je dis Yuens. Bon, ça sera Yuens. Allez. Yuens. Bon, ça sera du coup Yuens. Bon, si c'est pas ça, vous m'avez compris. De toute façon, je vous mettrai le titre en barre d'infos. Oui, c'est ça. Le titre. Non, oui, oui, voilà, le titre en barre d'infos. Donc, en fait, j'ai commandé des articles VS que j'ai reçu. Versus ce que j'ai reçu. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai commandé, ce qu'ils m'ont envoyé, comment je le porte, et ce qui va ou ce qui ne va pas pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Donc c'est parti, on y va. Alors déjà, pour commencer, j'ai commandé une petite robe. Alors j'ai commandé beaucoup de petites robes pour l'été parce que je me suis dit qu'en été, il y a beaucoup de soirées et tout ça. Donc je me suis dit, je vais commander des petites robes pour l'été. Et du coup, j'ai commandé cette petite robe-là. Voilà. C'est une petite robe comme ceci. Voilà. Il y a un effet drapé sur le devant qui se porte comme ça, bateau, comme ce magnifique t-shirt. Et je l'ai commandé en taille, alors j'ai pas compris parce que je l'ai commandé en taille XL et je l'ai reçu en taille XXL. Donc voilà, vous allez voir comment ça fait, comment ça donne. Alors par contre, elle est très jolie, elle est très agréable à porter, mais par contre, c'est le tissu un petit peu maillot de bain. Par contre, elle est très très extensible et c'est le tissu un petit peu maillot de bain que j'ai reçu. Donc, ouais, on verra une fois que j'aurai peut-être maigri. Par contre, elle montre toute la cellulite, ça je vous avertis, on voit toute la cellulite. Donc voilà, alors, la taille me va, donc pour le moment, c'est, voilà, peut-être que je fais vraiment un XXL, je sais pas. Donc voilà pour cette petite robe. Ensuite, deuxième robe, j'ai commandé, alors je suis bien gentille, j'ai tout essayé, mais j'ai bien rien remis à sa place, j'ai rien retourné. Une autre petite robe de soirée, alors celle-là elle est super mignonne, elle est satinée. Voilà, alors par contre cette ficelle je ne sais pas du tout si elle va devant ou si elle va derrière, mais vous allez voir que sur le try-on je l'ai mis derrière. Voilà, c'est une robe effet cache-cœur sur la poitrine et qui est pareil, effet drapé sur le devant. Alors ce tissu-là par contre, il me plaît beaucoup plus, il me plaît beaucoup plus. Donc comme vous pouvez le voir, elle me va très très bien. J'ai commandé un XL parce que j'ai toujours peur quand je commande des robes sur les sites comme ceci, j'ai toujours peur que la taille ne m'aille pas et que ça m'aille trop petit. Donc je préfère toujours commander un petit peu plus grand pour après moi, si je vois que c'est trop grand, je retouche un petit peu par-ci par-là parce que quand c'est trop petit, on peut pas retoucher, on peut pas grandir le tissu, on peut pas rajouter le tissu. Donc je commande toujours un petit peu plus grand, donc j'ai commandé un XL. Alors par contre, elle me va très bien au niveau des hanches. Mais là où ça ne va pas du tout, comme vous pouvez le voir, c'est au niveau du, voilà, de la poitrine. Pourtant, j'ai pas une poitrine très très petite, mais voilà, je pense qu'elle serait à retoucher là sur les côtés. Voilà, ce serait à toucher sur les côtés. Mais sinon, le tissu et tout ça, franchement, je la trouve super jolie. Et pour les petites soirées, tout ça, ça ira très bien. Ensuite, troisième robe, alors attendez, je vous montre déjà les robes en premier. J'ai commandé une autre robe un petit peu soirée, qui fait un petit peu soirée, un petit peu, ouais, un petit peu robe d'été. Donc alors celle-ci, j'ai commandé en robe, en taille L, et elle est très jolie aussi, elle est comme ceci. Le tissu, il est très bien, le tissu, il n'y a pas de souci, il est très très bien. Alors celle-ci, elle est carrément, en fait, il y a une petite mini-jupe en dessous et un effet cache-cœur un petit peu sur le... Attendez que je n'ai pas trop les bras, on voit pas mon soutif. Et un effet un petit peu cache-cœur sur le devant, comme vous pouvez le voir. Alors, pareil. Faites attention quand vous commandez les robes sur ce site-là, parce que j'ai l'impression que chez eux, ils doivent avoir des grosses poitrines et qu'ils pensent que nous aussi, les Français, on a des grosses poitrines. Parce que du coup aussi, elle badouille un petit peu sur les côtés et je pense qu'il va falloir aussi que je fasse un petit point. Bon, ça, c'est pas dérangeant. C'est pas du tout dérangeant, j'essaierai de faire un petit point par-ci par-là pour que ça se voie pas trop.
Mais voilà, voilà. Après, sinon, la robe en elle-même, elle est super jolie. Je la trouve peut-être un petit peu longue derrière, quoique non, parce que moi, je n'aime pas trop montrer quand c'est trop court. Mais voilà, elle est quand même très jolie et le tissu, il est pas mal sur celle-ci. Ensuite, nous allons passer aux ensembles de pièces. Donc, un ensemble de pièces. Ce que j'ai commandé, c'est déjà un ensemble bleu électrique. Voilà, un ensemble... Oui, je crois que j'avais oublié les choses. Un ensemble bleu électrique. Alors, par contre, il ne donne pas du tout pareil sur moi que sur la mannequin. Je vous préviens. Je vous préviens, sur moi, c'est très affreux. Le pantalon, on dirait que je vais travailler avec ou que, ouais, que je vais à l'usine, en fait. Donc, voilà, ça, c'est le pantalon. Alors, ouais, moi, j'aime pas trop. Je pensais... Et puis, le tissu, c'est aussi un tissu fait un petit peu maillot de bain, vous savez. Les tissus... Je sais même pas comment vous dire le tissu, ce que c'est. Franchement, parce que c'est noté. Non, c'est même pas noté. Mais le tissu, voilà, du coup, il ne me met pas du tout en valeur. Et du coup, ben, je suis un petit peu déçue du tissu. Je pensais que c'était un petit peu un tissu, vous savez, effet smoking, mais pas du tout. Pas du tout. Alors là, j'ai aussi pareil. J'ai commandé un XL parce que comme je me suis dit, c'est un pantalon qui fait effet carotte et que moi, j'ai quand même des hanches assez, assez larges. Mais du coup, ben, quand je l'enfile, ben, en fait, il est très, 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 très extensif. C'est-à-dire que je peux l'enfiler sans enlever la fermeture éclair. Avec ce haut-là, il y avait... avec ce pantalon-là, il y avait le petit haut aussi. Alors par contre, ouais, finalement, j'aurais pas dû le commander à XL parce que du coup, le pantalon, je ne le mettrais pas. Mais le haut, j'aurais pu le mettre. Mais du coup, comme vous allez pouvoir le voir dans le try-on, il est un petit peu grand aussi au niveau d'ici. Ça badouille aussi et il va falloir aussi que je le rattrape et que je fasse une petite retouche pour qu'il m'aille un peu plus serré. Mais sinon, le haut, je trouve quand même assez joli, assez mignon. Avec un autre pantalon ou autre chose. Mais par contre, ce pantalon-là, non, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Donc, voilà. Ensuite, en ensemble, j'ai commandé le fameux ensemble que toutes les Américaines portent. Et les Américaines avaient des grosses hanches et des grosses fesses. Elles portent et ça leur va à merveille. Le souci est que sur moi, c'est dégueulasse. Voilà. Donc, je vous montre, c'est le legging, vous savez, le leggings rayé. Et fait côtelé. C'est côtelé qu'on dit, je pense. Et celui-ci, je l'ai commandé en taille L. Parce que je me suis dit que c'était extensible et que ça allait. Je prends pas trop grand. Parce que je me suis dit que finalement, j'allais peut-être. Ouais, c'était extensible. J'allais peut-être avoir la chance de rentrer dedans. Et moi, les leggings, j'aime bien quand c'est très serré. Quoique en taille L, ouais, en général, je fais du L. Je fais du L. Peut-être dû prendre un M, mais de toute façon, je ne le mettrai pas quand même. Du coup, tu sais, ça sert pour dormir. Ouais, ouais, pour dormir. Donc voilà, c'est le leggings là que tout le monde porte avec le fameux haut. Par contre, le haut, je l'aime bien. Il est, moi, je trouve super joli. Il est ni trop grand, ni trop petit. Il est nickel, en fait. Il est nickel. Peut-être que j'aurais peut-être dû prendre... Peut-être que j'aurais dû prendre la taille en dessous, peut-être. Mais voilà, je trouve quand même assez joli, je peux bouger facilement, voilà, il n'est pas trop, trop large ni trop petit, donc ouais, le haut quand même il est pas mal. Donc voyez ce que ça donne sur moi, c'est très moche, je n'ai pas les jambes faites pour ça. J'ai peut-être les hanches et les fesses, mais pas les jambes du tout. Donc quand il y a quelque chose qui va pas, il n'y a rien qui va en fait. Voilà, donc celui-ci, ben, Tissène, elle s'en servira en pyjama. Ou alors peut-être que quand j'aurai décidé de me muscler et peut-être que j'aurai décidé de faire de la musculation plus intensément parce que ben, le problème c'est que j'ai dû arrêter la musculation. Bon, ben, je ne vais pas vous raconter ma vie parce qu'on n'est pas là pour ça. Et ben, peut-être que je le mettrai. On verra. Ensuite, dernier ensemble que j'ai commandé. Alors celui-là, je suis bien dégoûtée parce que je le trouve super beau. Alors celui-ci, je ne vais pas vous montrer porter parce que ben, du coup, il ne va pas. Il ne va pas, il taille très petit. Mais quand je vous dis taille très petit, c'est qu'il taille très petit parce que même Tissène ne le rentre pas. Tissène, qui est quand même un peu plus mince que moi, ne le rentre pas. Et j'ai commandé la taille L. Je me suis dit que c'était un tissu jogging et que ça allait être élastique. Mais en fait, pas trop trop. Et en fait, le problème, c'est qu'au niveau des genoux, là, et des mollets, là, c'est très serré. En fait, c'est très petit. Parce que vous allez voir, c'est très très petit. Voilà, moi qui ai des mollets de rugbyman. Et c'est très petit, mais aussi j'arrive pas à le rentrer. Parce qu'il est super beau. Il y a une jambe comme ceci et une jambe comme ceci. Alors par contre, il faut commander du XXL. Hein, si vous êtes comme moi, XXL et encore. Donc celui-ci, je suis un petit peu dégoûtée. Ouais, je suis un petit peu dégoûtée. Peut-être que je le recommanderais en taille beaucoup plus grand. Mais voilà, mais beaucoup plus grand. Parce que vu que Tissène, elle ne rentre pas non plus. Je vais voir, peut-être que je vais le donner à quelqu'un. Je vais le vendre parce que je verrai. Je verrai bien.
Et, ah oui, attendez, parce qu'il y a l'eau avec. L'eau, ça va, l'eau, il est pas mal. L'eau, il est joli, l'eau, il me va. Il y a une petite capuche, ça, je trouverais bien le moyen de le mettre avec quelque chose. Il est à ma mère, évidemment, si elle l'a essayé, elle l'a pas remis à l'endroit. Elle est à l'endroit, oui, ça dit. Elle l'a pas remis à l'endroit. Okay. Voilà, l'eau, il est pas mal. L'eau, il est comme ceci, c'est un haut jogging court avec la petite capuche. Donc, ouais, le haut, ça va. Donc, je mettrai le haut, mais je mettrai pas le bas. Voilà. Ensuite, nous allons passer, alors j'ai commandé les deux derniers articles, sont, ça c'est un top que j'ai trouvé super joli aussi sur le site, hein. Bon de toute façon si je vous mets pas les photos du site, je vous mets les liens en barre d'infos, vous allez checker dessus, vous allez voir comment ça donne sur les mannequins et ce que ça donne en vrai. Donc voilà, alors normalement sur le mannequin il me semblait qu'il était comme ça, sans élastique, parce que ça du coup ça j'aime pas quand il y a un élastique ici, en fait quand vous le mettez ça remonte tout le temps ça remonte, et du coup moi j'aime pas trop ça. Donc du coup ça je suis un petit peu déçue par ça. Ensuite les manches elles sont un petit peu trop larges. Et au niveau aussi du ventre, ouais en fait il est un petit peu trop large et il est transparent. Donc voilà, ça je pense que je le mettrai juste ici chez moi ou en restant à la maison. J'ai commandé un XL et en fait j'aurais peut-être dû commander un L. Un L ou un M, il aurait peut-être été plus serré. Ouais en fait j'aurais dû commander un L ou un M. Ouais, celui-ci taille... En fait, ça taille grand sur ce site. Je remarque que ça taille grand à part le jogging, mais ça taille quand même assez grand. En fait, je pense qu'il faut vraiment prendre sa taille, à part quelques articles, mais je pense qu'il faut vraiment prendre sa taille en fait. Parce que sinon, il y a toujours un côté qui va pas, qui part de travers et qui va pas. Donc du coup, voilà. Après, c'est dommage parce qu'il est transparent. Mais il est quand même joli. Moi, j'aime bien les t-shirts écrits bleus comme ça. Donc j'ai voulu tenter. Après je trouve que ça me va pas trop parce que blonde avec un truc nude comme ça, mais je sais pas, ça fait les cheveux, la peau, le haut, pareil, je sais pas. Dernier article que j'ai commandé, alors celui-ci j'étais complètement déçue parce que en fait c'est, je vous mets la petite photo, je vous ai pas fait l'essayage parce que ça sert à rien, ça va pas du tout, il me va, mais c'est moche. Le tissu il est bizarre, vous savez c'est l'effet tissu, j'ai même pas besoin de défaire le bouton pour le rentrer. J'ai commandé quelle taille d'ailleurs. Alors quelle taille j'ai commandé, elle ou l'étiquette? Elle est partie se cacher où? Je sais même pas quelle taille j'ai commandé. Ouais, je sais pas. Donc c'est normalement c'est un jean effet push-up. Vous savez avec les deux traits sous les fesses qui sont censés remonter les fesses, hein, vous faire le bout de vos rêves, mais pas du tout, en fait pas du tout, il ne va pas du tout en dessous de mes fesses, il va au milieu de mes fesses, c'est à dire que même pas, mais si ça avait été plus serré, ça m'aurait fait un trait au milieu des fesses et ça m'aurait partagé les fesses en deux. Donc là je suis un petit peu déçue de ce jean là, si ça ne mettra parce qu'il va, hein. Après par contre il est assez court, je pense que c'est un pantalon 3 quarts, mais voilà, il fait pas du tout son travail, voilà. Après si vous voulez un pantalon basique, vous pouvez le commander, parce que c'est un pantalon basique qui ne fait pas effet push-up. Après, je me dis que moi, vu que j'ai des très grosses fesses, peut-être que la couture, en fait, elle n'a pas été faite pour les grosses fesses. Donc, du coup, peut-être que ça me prend que la moitié des fesses et pas les fesses entières. Donc, peut-être. Je n'ai pas demandé à Tizienne si elle avait essayé, ce que ça avait donné sur elle. Peut-être que je lui demande. Donc, je vous mettrai la petite photo de celui-ci pour vous montrer ce qu'il était censé faire. Hein. Voilà. Donc voilà, mais j'espère que ce petit haul Troyant vous a plu. Voilà, j'ai essayé de faire le mieux parce que moi, les hauls, c'est pas trop mon truc. Hein. Vous savez, j'aime pas trop montrer mes formes. Donc du coup, après, moi, en ce moment, je fais des efforts quand même. Je réalise quand même que je fais des efforts. Je fais des efforts parce que vous m'avez quand même mis en confiance. C'est vrai, c'est grâce à vous, vous m'avez mis en confiance. Donc du coup, je me sens un petit peu la confiance. Et du coup, j'ai le pantalon à l'air. J'espère que ça se verra pas dans la caméra parce que ça fait une heure que je parle et que j'ai la jambe à l'air. Oulala, même au niveau de la culotte, non, parce que j'ai un pantalon en fait qui est partagé là, je sais pas si vous allez voir, c'est un pantalon qui s'ouvre juste en haut. Donc voilà, et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, quel article avez-vous préféré, mettez-moi des petits pouces si vous avez aimé le style de vidéo comme ça où je suis assise et je vous fais des petits close-up à côté. Donc ben voilà, je ne vais pas parler plus parce que sinon ça va durer 3 quarts d'heure et c'est pas le but. Et puis c'est tout. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.